Moi, je ne sais pas si on n'a pas joué même deux fois à Rumba avant. C'est bien possible. On dit Rumba ou On Rumbas? dit Rumba comme on dit Paris. Voilà. Voilà. Rumba. Rumba. 18 ans après son dernier passage à Rumba, Magma a attiré les foules le mardi soir à l'espace culturel. Ils étaient près de 300 personnes à avoir fait le déplacement pour écouter et pour voir ce groupe mythique créé en 1969 par Christian Vander. Nous l'avons rencontré à l'occasion des balances, plus tard en interview et puis lors du concert. Moi j'étais plutôt élevé dans un milieu de jazz, donc moi j'ai su que j'allais faire de la musique ou du moins... m'approcher encore plus de la musique dès l'âge de 3 ou 4 ans. Donc je savais que je serais musicien. Enfin, musicien aimé, j'étais fou de musique déjà. Et puis bon, ma mère très mélomane connaissait les plus grands. Des plus grands comme le célèbre jazzman Chet Baker, mais Christian Vander, c'est surtout l'influence de compositeurs comme Bach ou Stravinsky, et bien sûr l'incontournable saxophoniste John Coltrane. John nous a toujours surpris, et continue encore, hein. Plus on l'écoute, plus on entre dans son monde et on a encore des choses à découvrir. Moi, si je veux apprendre, j'écoute toujours la musique de John. D'ailleurs, la différence, par exemple, avec des... en France, les musiciens de rock écoutent souvent du rock, vous voyez ce que je veux dire? Qu'en Angleterre, aux États-Unis, tous connaissent la musique de John Coltrane, bon, la majeure partie, et voire du classique aussi. Ils s'enrichissent de cette manière. Après, ils ont décidé de jouer du rock ou autre chose, mais ils connaissent énormément de choses qu'en France. Malheureusement, c'est pas le cas. Les gars qui jouent du rock, très souvent, connaissent que... voilà. Je crois d'ailleurs qu'il y a quelques groupes de hard rock internationaux qui vous indiquent oui, comme même, référence. Oui, qui même indique des gars du métal qui connaissent, hein, notamment le bassiste de Metallica, un fan de Magma. Depuis sa création, Magma a vu défiler près de 150 musiciens et musiciennes, dont Didier Lecoud ou Marc Fossette. Magma, un groupe légendaire et une école exigeante. C'est certain qu'on y apprend beaucoup de choses. Parce que c'est une musique qui est quand même difficile. Demande une certaine discipline aussi, notamment rythmiquement déjà au commencement. Enfin, certains niveaux rythmiques. C'est ce qui est le plus difficile. Dans ce pays, c'est ça, la rigueur rythmique. On y a beaucoup de musiciens, mais après, c'est une chose qu'on ne travaille pas, on devrait commencer par ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme cette musique est très, très rythmique au départ, on a beaucoup de difficultés à trouver les musiciens, qui après, en plus, ont un bon sens mélodique et harmonique, évidemment. Parler aussi de votre langue, le Cobaya, une langue que vous avez créée pour la musique, pour votre musique. Oui, en fait, c'est pas, je ne l'ai pas créé. Les sons venaient parallèlement à la composition. Donc, j'ai laissé les sons. Mais en réalité, non, je ne me suis pas mis pas les, comme l'espéranto, je ne sais quelle langue. Non, non, certains sons venaient, je laissais venir les sons. Comme les magnétos tournaient, je relevais les sons, simplement. Qui correspondaient totalement à cette musique. Maintenant, après... quelquefois, pas mal d'écoute, j'arrivais à sentir tout ce que ces sons pouvaient vouloir dire. Quelle histoire ça pourrait... L'histoire, en général, je l'avais en moi. Mais après, traduire certains sons, c'était plus difficile. Un par un, ou voir groupe de sons. Avec le temps, j'arrive mieux à saisir certaines ambiances. Alors, quelques mots sont traduits. D'accord. Il n'y aura pas de dictionnaire Cobaya encore Pas tout de suite. Pas tout de suite. Déjà, on relève tout. On fait un index de tous les mots. Oui. Les gens me disent je comprends pas cette langue, ce que ça veut dire. Alors moi je mets ça sur mon compte, j'ai dit juste c'est que la musique n'est pas suffisamment expressive. Parce que quand on écoute John Coltrane par exemple, moi j'ai quelquefois une émotion qui monte, pourquoi pas les larmes. Et pourtant c'est pas un langage articulé, c'est du saxophone. C'est-à-dire sa musique est expressive, nous raconte quelque chose de douloureux ou de, vous voyez, plus joyeux, je suis pas certain. Mais
mais on sent ce qu'elle raconte. Pas besoin de dire des mots. Aux côtés de Stella Vander, la fidèle parmi les fidèles, et une pléiade de musiciens et de choristes, Christian Vander, en retrait derrière sa batterie mais au charisme indéniable, a donc créé ce groupe inclassable, au langage musical inclassable. Qu'on adule, qu'on aime ou qu'on aime un peu moins, Magma ne laisse pas indifférent. Il a ses propres codes, un répertoire incroyable, des œuvres de plusieurs dizaines de minutes, une approche avant-gardiste qui ne faiblit pas depuis ses débuts. Alors oui, aller voir Magma en concert, c'est comme vivre une expérience musicale, c'est abandonner ses propres codes, c'est apprendre à écouter autre chose, à se laisser surprendre. Magma, c'est s'ouvrir à une autre musique dite conventionnelle, si l'on peut toutefois parler de conventionnel en musique. C'est pas qu'on est à contre-courant, mais bon, moi j'ai jamais suivi le fil mode ou autre, peut-être c'est peut être dérangeant, je ne sais pas. Mais nous on a toujours essayé de travailler sur la musique et non pas la faire. C'est-à-dire, moi j'attends que la musique vienne à moi et non pas vouloir lui donner la faire. Ce qui est plus terrible, c'est ça. Si moi j'essaie de composer, une semaine après, on pourrait dire, je mets dans les cartons, on n'en parle plus jamais, parce que je me lasse. Si la musique vient naturellement, je le laisse venir à moi, là, à ce moment-là, je me dis, il se passe un truc différent qui ne m'appartient pas, mais j'essaie de restituer. Et ce qui rend peut-être, pour moi en tout cas, la musique plus magique. Parce qu'est-ce qu'on a suffisamment de vécu pour parler d'une chose qui... certaines choses que j'explique quelquefois après avoir composé. Ans après sa création, Magma reste donc une référence des fans de toujours au public qu'il a découvert mardi soir. Il continue et continuera encore à fasciner, à interpeller, à perturber, à bousculer les codes. Et finalement, c'est tout ce qu'on demande à la musique, sa capacité à créer des émotions. On se situe où là actuellement ? Sur le curseur ? On n'est qu'au début de l'histoire de Magma. Toujours. D'accord. Pour notre grand plaisir en tout cas. Merci.